Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, jeudi, j'ai dit à tout le monde qu'on était jeudi aujourd'hui, mais on est vendredi, 21 mai 2021, 9h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que j'ai de mauvaises nouvelles à vous partager. L'idée d'une taxe mondiale, ça devient de plus en plus concret. La refonte fiscale mondiale, nous apprend Bloomberg, s'accélère, alors que l'Europe salue la proposition américaine. Hein? L'Europe étant un continent de réglementation de taxes et d'impôts, aime bien l'idée d'une taxe mondiale. Une proposition américaine pour un impôt global minimum sur les sociétés d'au moins 15% a rencontré un accueil enthousiaste en Europe, rapprochant le monde d'un accord sur des changements radicaux concernant le montant des paiements des multinationales et les gouvernements. On le sait que beaucoup d'entreprises ne payent pas beaucoup d'impôts et souvent même pas d'impôts. Mais c'est une illusion de penser que si on leur mettait et qu'on était capable de leur accoler une taxe ou un impôt de 15% au niveau mondial, ce serait bien naïf de penser que ces gens-là sortiraient cet argent de leur poche pour le donner au gouvernement sans réagir. C'est bien évident que si on était capable d'imposer complètement, sans aucune évasion fiscale, les grandes corporations, les entreprises, les commerçants du monde, avec un impôt minimum de 15%, que cette charge fiscale serait refilée aux consommateurs. Je ne sais pas si vous me voyez venir. C'est vraiment un grand progrès, a déclaré le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, alors qu'il arrivait pour une réunion avec ses homologues européens à Lisbonne. C'est toujours pour des bonnes intentions. Ça a toujours l'air tellement louable et tellement pur comme intention. Mais c'est tellement enfantin. Puis ces gens-là, à ce niveau-là, le savent très bien. Que ce n'est que du cinéma, que de la poudre aux yeux pour la population qui est de plus en plus dans la misère et frustrée contre tous ces gouvernements. Donc, de venir se présenter en Robin des Bois, c'est complètement enfantin, naïf, et ça relève de l'histoire du Père Noël. Mais les gens vont y croire et tomber là-dedans, parce qu'ils vont penser qu'on est en train de régler un problème d'injustice incroyable, alors que c'est la population mondiale qui va se faire refiler si on est capable de l'imposer, ce 15%-là. C'est vraiment un grand progrès. Le dernier argument dans la course à un accord entre 139 pays est inférieur au taux de 21% que les États-Unis avaient précédemment suggéré pour les bénéfices à l'étranger de leurs entreprises, un niveau que certains pays jugeaient excessif. Avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les discussions à l'Organisation de coopération de développement économique se sont concentrées sur un minimum de 12,5%, alors que des obstacles subsistent, y compris un désaccord sur le traitement des géants du numérique tels que Facebook, Google et l'impulsion de l'administration Biden à transformer les négociations de l'OCDE qui s'enlisaient depuis des années dans des couches de complexité technique toujours croissantes, les querelles transatlantiques et les tensions commerciales. L'approche d'un accord soulève la perspective de factures nettement plus lourdes pour les plus grandes entreprises mondiales. L'année dernière, l'OCDE a estimé que l'impôt minimum mondial, en plus des propres règles des États-Unis, augmenterait les revenus des gouvernements de 100 milliards de dollars par année, un chiffre qui gonflerait avec un taux plus élevé. La dernière proposition américaine sur un taux de 15% n'est que la moitié de l'histoire, car la question d'un niveau minimum n'est que l'un des deux soi-disant piliers des négociations de l'OCDE. Les pays européens ont accueilli favorablement une proposition distincte de Biden sur la question plus épineuse de savoir où les entreprises sont confrontées aux taxes. Mais les discussions à ce sujet sont toujours en cours. Les États-Unis ont suggéré un champ d'application plus simple et plus restreint, répartissant les recettes fiscales de la centaine des plus grandes multinationales seulement. Les responsables d'autres pays ne savent pas si cela couvrirait tous les géants du numérique qu'ils veulent cibler. Et il y a des inquiétudes particulières à ce qu'Amazon.com ne soit pas pris au piège du net. Selon une étude de Morgan Stanley,
La proposition américaine sur le premier pilier pourrait également apporter des changements significatifs au taux d'imposition effectif, en particulier pour les fabricants de matériel technologique et les sociétés pharmaceutiques. La question clé n'est pas le chiffre, même si on peut vivre avec 15 %, cela peut être un bon compromis entre les attentes de tous les membres, a déclaré le ministre français des Finances Bruno Le Maire en arrivant à la réunion de Lisbonne. La question clé est de définir un cadre global pour la fiscalité numérique et la fiscalité minimale. La nouvelle offre américaine pourrait également se heurter à l'opposition de pays comme l'Irlande, qui a utilisé de faibles prélèvements sur les entreprises comme stratégie clé de développement économique. Le ministre irlandais des Finances a déclaré le mois dernier que la taxe peut faire partie d'une offre concurrentielle pour les petits pays et que les réserves de son gouvernement sur une telle mesure mondiale pourraient être assez fortes. Donc, on va voir qu'il va y avoir quelques pays qui vont être réfractaires à ça, pour des raisons évidentes, comme l'Irlande, qui utilise un bas taux de taxation pour attirer les entreprises et créer de l'emploi. Mais penser que tu vas imposer une taxe de 15 % et que la population mondiale n'en sera pas la victime, c'est de vraiment vivre dans un monde aux lunettes roses, ce qu'on appelle le La La Land.